Hello, Fairy Neverland readers. I am so happy to be back in Paris and to see some of my old friends here. And I'm sad that I missed some of you, but I hope you like the new book, Pour en jouer avec toi. There's a lot of Paris in it and a lot of France in it, which makes me very scared that you'll like it or not like it, but you'll just have to read it to find out. And as always, I love coming here. It's so wonderful. So I look forward to the next time, and merci, and adieu. Et d'ailleurs, la question tout à l'heure, un peu par hasard, on a entendu une publicité et parler des voyages. Est-ce que pour vous, les voyages forment vraiment la jeunesse? What travel does is it takes you out of your comfort zone. Ce que les voyages font, c'est que ça vous sort un peu de votre quotidien confortable. I've traveled since I was 16 years old, and I've met amazing people, and I've done amazing things. But the most important thing that the travel has done is it has gotten me used to feeling like an idiot. En fait, dès l'âge de 16 ans, je me suis mise à voyager. J'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai fait des choses extraordinaires. Mais le plus important, c'est qu'en fait, le fait de voyager m'a donné le sentiment que j'étais une idiote. And not all young people can travel, but I think everybody can do things that takes them out of their comfort zone. Tous les jeunes ne peuvent pas voyager, mais je pense que tous les jeunes peuvent faire entreprendre des choses qui les sortent de leur quotidien, de leur environnement habituel. And the trick with that is when you push out of your comfort zone, you expand your comfort zone. Et en fait, quand vous poussez les limites de votre quotidien, de votre contexte familier, vous poussez vos propres limites. Et lorsqu'on pousse les propres limites aussi, c'est dans l'écriture aussi, c'est important. Il y a quelque chose qui, moi, m'a beaucoup touché. Je pense que c'est pour ça que les jeunes sont touchés. C'est ces passages de la post-adolescence presque à l'âge adulte. Et tout devient peut-être plus compliqué. Yes. There's a moment in this book when Allison does something very brave. And it was the moment, because I had a hard time with this character at first. She was so tentative and controlled. Merci. And there's this moment when she does something that's so brave, and I was so behind her after that, and so wanted to find a way with her and for her to be that person in her regular life. And so it was very interesting to kind of follow her on that journey, because I think every one of us has those moments where it's sort of a before after, and we see a version of ourselves that we want to be and we can be. And for her, it was Lulu. And it was a matter of finding Lulu when she's not in Paris and when she's not with Willem. Alors en fait, à un moment donné, Allison va faire quelque chose d'extrêmement courageux. Et il faut dire que j'ai eu beaucoup de mal avec ce personnage au départ. J'ai trouvé extrêmement contrôlé. Et quand elle fait ce pas. Je voulais devenir elle. Je me sentais presque en deçà, un peu en arrière, un peu en retard sur elle. Et je voulais la suivre dans ce voyage. Et en fait, chacun passe par une étape identique où on a une certaine vision de soi à laquelle on veut tendre et qu'on veut atteindre. Oui, mais en même temps, elle a quelque chose, un mot tout à fait essentiel dans ce livre, dans la vie des adultes aussi, mais des adolescents, des post-adolescents. Il y a aussi les choses inattendues, les accidents. It's amazing to me how there's just some days that are so momentous, and you realize that morning that you almost didn't do the thing that you did that made that day so monumental. And maybe something else would have happened and would have changed your life so much, but it's the littlest things that can turn into the biggest things. And so that was definitely a theme that I wanted to play with. It's happened in my life. I'll let you answer that part first before I keep going. Okay. Il y a des choses que je trouve vraiment étonnantes. Il y a des jours comme ça qui deviennent extrêmement importants dans la vie, sans qu'on se rende compte qu'on ait fait quelque chose de particulier. Une petite chose peut devenir très grande et très importante et vous change votre journée ou votre vie. I say that I'm like Allison a lot in that travel changes both of us from the people we were on our way to becoming into the people that we did become. And for me, it all happened because one day I was looking through a magazine, I was 14 or 15, and I saw an ad, be an exchange student. And I ripped it out, just kind of thoughtlessly, and I showed it to my father. And 2 years later, I was living abroad. If I hadn't pulled that out, or if my father hadn't been so assertive in following through, I can see the dominoes of my life falling in a certain direction because of that one decision.
Alors, tout comme pour Alison et moi aussi, les voyages nous ont énormément changé. La personne que j'étais avant n'est pas celle que je suis devenue après, et Alison, c'est la même chose. Et je peux, en fait, repenser à moi-même à l'âge de 14-15 ans. J'avais vu dans un magazine une publicité pour faire des études à l'étranger, pour être donc des étudiants d'échange. Je l'ai déchiré sans trop réfléchir, je le montre à mon père, et 2 ans après, il m'envoyait à l'étranger. Et je me dis toujours que si je ne l'avais pas déchiré de manière tout à fait comme par hasard, et si mon père n'avait pas cet esprit et déterminé comme il l'a été, j'aurais été quelqu'un d'autre. Et je peux même imaginer un peu cet autre personnage que j'aurais été. Et d'ailleurs, à propos des personnages, quelque chose qui est tout à fait intéressant du point de vue du roman et du romancier, c'est presque la double personnalité créée avec ces personnages Alison. Est-ce que c'est le roman d'Alison ou de Loulou? It's the novel of both. She starts out as Alison and she goes to Paris for this day. And she falls in love. She falls in love with Paris, naturellement. She falls in love with Willem, naturellement. But she also falls in love with Loulou, this person that she is for that day, who she suspects has always been inside of her, but she has never been able to reveal. Alors en fait, c'est bon, c'est le roman des deux. Il commence avec Alison qui décide d'aller passer un jour à Paris, qui va tomber amoureuse de Paris, qui tombe aussi amoureuse de Willem, mais aussi elle tombe amoureuse de Loulou, qui est cette autre personne. Et cette personne qu'elle est devenue pour un jour, elle va le devenir. Et d'ailleurs, pense-t-elle qu'on a tous quelque part une double personnalité? I don't know if it's a double personality, but it's the person we want to become. So for her, she had Loulou that day, and then she wakes up the next morning, and Paris is gray and rainy and not so pretty, and Willem is gone, and so is Loulou. So the work for her, for the rest of the book, is not just to find Willem, but it's to find Loulou, and to merge that with Alison. But yes, I think we all have different versions of ourselves, and ones that we need to be maybe braver or more honest to actually become. Alors en fait, peut-être pas une double personnalité, mais on a certainement en nous une autre personne qu'on voudrait devenir, une autre des versions différentes de nous-mêmes, plus courageuses et plus aventureuses. Donc Loulou, elle a été Loulou pendant un jour, et elle se réveille le lendemain. Il pleut, Paris n'est plus le même, Willem est parti, et même cette Loulou est partie, et elle voudrait la retrouver et ne faire plus qu'une personne avec elle. Ne faire qu'une personne, mais en même temps, lorsqu'on parle des Loulous, on va revenir vraiment au personnage tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de références dans son livre, des références cinématographiques, des références aussi, bien sûr, on a entendu Shakespeare, et tout se tient en même temps. The Shakespeare was a bit of a surprise, same with Césaire Est and the cello, when that character... Mia came to me, she was a cello player, and when I started Pour jouer avec toi, I didn't realize that Shakespeare was going to be such a big part of the book, but I had it start in Stratford-upon-Avon because it was very touristy and that's very Shakespeare, and it went from there. And then as I started researching plays, I saw As You Like It and I watched the whole thing like this. It was so romantic and so immediate and so relevant. And so it just wound up working its way, not just for the first book, but it's in the second book as well. And cinema? And the cinema, I think, is the same idea, is that you get lost in this other world. And for Alison, it had been a place where she could find satisfaction, and she found it in this play, and then she finds it in this Shakespeare class, and it's about being an identity that's not your own, and being able to pretend for a little while that you're somebody else, and maybe finding a way to become the person you're pretending at. There's a line in the book from one of the characters, Dee, and he says that all the people that we pretend to be, they're already inside of us, that's why we pretend to be them. You know, we're not just one person, we're not just one facet. Translate that. Alors, Shakespeare, c'est presque par accident. Puis après, cette référence est devenue extrêmement importante. Il fallait que je démarre à Stratford-upon-Avon parce que c'est un lieu très, très romantique. Puis c'est Shakespeare. Et j'ai commencé à faire des recherches sur les pièces de théâtre. Et en fait, cette pièce, As You Like It, m'a semblé tellement, tellement romantique. Et il est même dans le deuxième livre. On retrouve encore Shakespeare dans le deuxième livre. C'est comme ce
c'est quelqu'un qui joue du violon aussi, c'est aussi vraiment par accident, mais c'est des personnes qui deviennent après importantes. Et le cinéma, c'est la même chose, c'est vraiment un monde dans lequel on se perd, mais c'est là aussi où elle trouve une certaine satisfaction, parce qu'il s'agit toujours d'une autre identité qu'on adopte pendant un certain temps, et c'est une identité qu'on voudrait devenir. Et en fait, il ne s'agit pas tellement de double personnalité, mais il y a en nous-mêmes plein de différentes versions de personnalités qu'on peut être et qu'on tend à être. Donc on n'est jamais une seule personne. They're a mixture of images. That one's just from Paris, and that actually says Willem Straat, but you can't see it. But some of them, that's Allison's pink bicycle that she gets. Ça, c'est le vélo rose de Allison. That's me when I was 18, about to get my broken heart broken by I will get back to that one, by a Dutch boy. That's one night in Florence when I was traveling, musicians. Ça, c'est à Florence. That's avec my friend musicien. Rebecca, who I traveled with, and we fought like crazy. Mon amie Rebecca, avec qui j'ai voyagé, mais on s'est chamaillé comme c'est pas possible. Cute Swiss boys on a train, needs no explanation. Et puis des gars sympas sur, dans un train. Yeah. This was the year I was an exchange student in England. Ça, c'est quand j'étais France. En échange. Non. That's me learning to play guitar, the year I was an exchange student. À jouer de la guitare. It's just me on a train, it seemed appropriate. So, just some travel. Because I mentioned that that year, where that day that I pulled out that advertisement was so important, it was, because I came back a year later, and then instead of going to college, I told my parents I would be attending the University of Life, and I went traveling for 3 years, and I wound up living in Amsterdam for much of that. And then I did go to university, but then I took time off to go traveling, and then my husband and I went traveling around the world for a year. We adopted our youngest daughter from Ethiopia. I feel like that one day has completely changed everything about my life, and I can sort of see in these pictures being here today, all tracking back to that one day. Donc pour moi, tout revient à ce jour où j'ai déchiré cette publicité, cette annonce dans le journal, et mon père m'envoie en étudiant d'échange. Quand je suis rentrée au bout d'un an, j'ai dit à mes parents, moi je vais aller à l'université de la vie. Et donc elle ne va pas à l'université, elle se met à voyager pendant 3 ans, c'est là où elle a vécu aussi à Amsterdam. Et puis vous êtes allée à l'université, et avec son mari par la suite, ils se sont remis à voyager, ils ont adopté une petite fille d'Éthiopie. Donc pour elle, ce jour où elle a vu cette annonce, elle l'a déchirée, a bouleversé sa vie. Ça me rappelle un peu le film Benjamin Button, il y a quelque chose. Benjamin Button. Yeah, reminds him of the movie Benjamin Button. Except, didn't he age backwards? Unfortunately, that's not happening with me. C'est l'histoire de la fille qui décide à un moment donné qu'il va sortir, pas sortir et tout ça, et à la fin, elle s'est fait happer dans un accident de voiture, et comme ça, elle devient un peu handicapée. Hein, c'est l'histoire. C'est la danseuse, la copine de Benjamin. All I can think of is it's Kate Blanchett and Brad Pitt, right? Yeah, just Brad Pitt aging back. It's the Eurostar. Si tu as jamais pris le train aux États-Unis, ça sent mauvais. C'est vraiment pas la même chose. Non, c'est certainement l'Eurostar qui est bien plus romantique. Oui, mais aussi la question des trains. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur et beaucoup de regards, beaucoup de sentiments qui peuvent s'éveiller à ce moment-là. Although the train from Washington or Boston to Philadelphia, it's all businessmen in the quiet car. But yeah, the train, it's I don't know. There's something so liberating about it. You can walk around. You can eat. The way it rocks you, it's hypnotic. You know, magic things happen on a train. Ouais, c'est vraiment magique parce qu'il y a quelque chose de libérateur dans les trains. D'abord, on peut se déplacer, on peut manger, on croise des gens, et ce balancement, le fait qu'on soit un peu, il y a un mouvement aussi dans le train. Donc c'est quelque chose de très magique. Mais le train aux États-Unis, entre Philadelphie et Washington, il n'y a que des businessmen et c'est très silencieux. Mais non, mais c'est les trajets aussi entre la famille ou l'île. Et Alison et Boston, où elle doit faire ses études. But she won't take the train. Hein? She takes the bus because she's been traumatized by the train. Hein? Ah oui, mais elle prend pas le train là parce qu'elle a été traumatisée. Oui, elle prend le bus. Oui, mais en même temps, justement, c'est pour ça qu'elle a ces traumatismes. Mais en même temps, elle rentre aux États-Unis, elle a toujours les souvenirs d'une journée. Est-ce qu'une journée peut marquer autant un être humain? I don't know. I mean, I have had love affairs that were very short, that took a very long time to get over. And that was just the broken heart. So I think when you take the broken heart that she had and the mystery of not knowing why this person left her and the humiliation, but more than that, she
fell in love with a version of herself that she lost. So that's all of that that she's grappling with. So yes, all of that is why she just can't bear to revisit anything from that day, because it's too painful. She lost too much. Willem is just a portion of it. So I think that is why she doesn't want to take the train. Alors en fait, moi aussi j'ai connu des histoires d'amour très courtes, mais j'ai mis très très longtemps à m'en sortir. En fait, il faut penser à un cœur brisé. Et elle, son cœur a été brisé, et il y a le mystère du départ de Willem, il y a aussi l'humiliation qui l'a plantée. Et aussi, elle a été amoureuse de cette version d'elle-même. Et elle ne peut pas revenir, elle ne peut pas revisiter tout ça. C'est beaucoup trop douloureux. C'est pour ça qu'elle ne prend pas le train quand elle rentre chez elle pour aller à l'université, mais elle prend le bus. So we wanted at least one small scene in New York City. So I had to bring her there. That helped me put her in New York City for a small scene. I had to put my hometown in. Voilà, c'est pour ça qu'il fallait que je mette ma ville natale, mais il y a aussi une petite scène à New York. Oui, il y a pas mal de scènes dans des villes différentes, soit en Europe ou aux États-Unis, mais Paris, quand même, c'est le cœur de l'histoire. Yes, it made me very nervous to come here, especially because Paris is so key to this first book. And who wants to write a love story in Paris? Number one, like when I wrote Where She Went or Là où j'irai, I know New York very well. I'm very comfortable writing there. But number one, I don't know Paris that well. I have never lived here. I don't speak French. And it's a cliche to write a love story in Paris because so many have been done so well before. So I was very reluctant to do it. But when I woke up from that dream, I knew that's where they were. So I didn't really know any way around it. Oui, Paris est une ville clé, c'est vraiment une ville clé pour elle. Là où j'irai, c'est passé à New York, je connais très bien New York, mais là, quand je me suis réveillée de ce rêve, je savais que cette histoire devait se passer à Paris. Je ne connais pas Paris, c'est vrai que ça a fait tellement cliché d'écrire une histoire d'amour à Paris. Il y a eu tellement de choses qui ont été écrites avant, mais il fallait que ce soit Paris et je l'ai écrit. Oui, mais en même temps, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est par des clichés, mais c'est des endroits qui sont plutôt méconnus, qu'on ne cite pas beaucoup dans les romans. Par exemple, je ne me rappelle pas avoir lu beaucoup des romans qui parlent du quartier du Château Rouge à Paris. Il ne voit pas beaucoup de touristes dans les quartiers du Château Rouge à Paris. When I visit Paris, I like to go to places like that anyhow. So, Céline, who's one of my friends who I met the first time I came here for seizure rest, I dragged her all around Paris. We were on the Vélib's and we were running this way and that, and we were in Barbès Rochechouart, and she kept correcting my pronunciation. And I love Paris. I love it because it's so vibrant and it's so diverse. It's wonderful that way, and I wanted to show that on the page. Voilà, moi c'est comme ça. Moi, quand j'étais là, j'ai entraîné mon amie dans tous les coins de Paris. Elle m'a emmenée à Barbès Rochechouart en m'expliquant comment prononcer Barbès Rochechouart. Et j'adore cette ville, j'adore la diversité. Again. Voilà, elle a répété 15 000 fois comment dire Barbès Rochechouart. Mais c'est ce que j'aime dans une ville. Mais en même temps, il y a cette histoire de ces garçons, Willem. On a vu et savoir beaucoup de choses sur lui, mais on ne sait pas grand-chose. Et Alison, au loulou, ne savent pas grand-chose. Est-ce que vous savez quelque chose de plus sur lui? I know lots about Willem because of the way these books were written. I had to figure out both characters and what they answered in each other as I was writing the first book. And I had to plot both books as I was writing the first book. So it was a very difficult book to write. But you will know a lot about Willem in the fall. Alors évidemment, moi je connais énormément de choses. Comme j'ai écrit ce livre en pensant déjà au deuxième, toute l'intrigue a été construite en fonction des deux livres. Donc vous saurez énormément sur Willem à l'automne. Et c'est bien de toujours laisser une grande part de mystère. It's funny because there was about a week after having that dream and so I like to end books on a place where you're very full of feeling. And sometimes with Where She Went, you have to answer more questions to bring a reader there. And sometimes with Seizure Rest and with this one, I feel like I want to leave you with the most feeling possible, and it's necessary to end it exactly there.
Une semaine après ce rêve que j'avais fait à propos de ce livre, et j'avais commencé à écrire les 30 premières pages, j'ai pensé que ce serait simplement que toute l'histoire allait tenir en un seul livre. Et puis un jour, sous la douche, et c'est vraiment sous la douche que les écrivains ont toutes leurs idées, je me suis dit, ben non, il faut que j'en fasse deux livres, parce que ça va être plus compliqué, c'est un défi aussi que je me lançais. Et voilà, donc le premier s'arrête exactement là où je voulais qu'il s'arrête. C'est vrai que j'aime qu'un livre s'arrête à un moment où on est plein de sentiments, et je peux vous laisser comme ça, je laisse le lecteur avec énormément de choses, il est plein de sentiments, avant d'aborder le prochain livre. You are so good. Très bien, très bien. Non, et en même temps, la question, je pense, à mon avis, chaque personne a une lecture particulière d'un roman. C'est très personnel. La question à laquelle vous essayez de répondre dans ce roman, c'est à quel moment on tombe amoureux. Je dis tomber, exprès. Falling versus being in love. C'est un moment particulier ou c'est quelque chose qui mûrit doucement? Or is there a difference at all? And is Willem just misguided? So that's something for him to figure out. For this question, I think it is for Alison, and this is one of the reasons I end the book where it ends. Is it's the question of how do I become the person I want to become? And falling in love with Willem was the catalyst for her realizing the person she wanted to become. So it ends there because she has become the person she wants to become, no matter what happens when she opens that door. Now, I think it's important to find out what happens when that door opens and or what's been going on with Willem, and that's why there's a second book. But for Alison, I feel that for her, her journey was about becoming Alison and Lulu, and she has done that. Alors, la question, c'est vraiment de savoir que va devenir cette personne. Elle est tombée amoureuse, et ça a été pour elle, c'est ce qui est le catalyseur pour qu'elle découvre cette nouvelle personne, cette nouvelle version d'Emma, qu'elle découvre Lulu, et elle est devenue. Et c'est là où le livre s'arrête, c'est qu'elle réalise qu'elle est devenue Lulu, et c'est le plus important. Maintenant, pour nous, il est très important de savoir qui est Willem et qu'est-ce qui va se passer, et découvrir un peu ce qui va arriver une fois qu'elle va ouvrir cette porte, aller vers la suite de son histoire. Donc nous parlions justement de la transformation de Lulu, et il y a un passage qui est assez éloquent à ce sujet. Donc Alison, Lulu, est dans le train, elle se rend vers Paris, et elle fait la rencontre de Willem, l'acteur qu'elle a vu lors de la représentation de théâtre de rue en Angleterre. Et voici leur échange. « Comment sais-tu que je suis américaine ? En dehors du fait que tu étais avec des touristes américains et que tu as l'accent américain ? En dehors de ça, rien. On ne peut pas dire que tu ressembles à l'américaine typique. J'ouvre mon paquet de chips, qui libère un puissant arôme artificiel, et lui propose de se servir, mais il refuse. Vraiment, dis-je ? Tu la décrirais comment, cette américaine typique ? Il hausse ses épaules. Une fille avec de gros... des traits fins, jolie, comme ton amie. Et moi, je ne ressemble pas à ça ? Je me demande pourquoi je pose la question. Je sais bien à quoi je ressemble. Cheveux foncés, yeux sombres, traits aigus. Et côté sein, c'est plutôt morne pleine. Mon excitation commence à tomber. Est-ce qu'il ne serait pas en train de m'amadouer simplement pour pouvoir draguer ma copine Mélanie ? Non, tu ne ressembles pas à ça. Il me dévisage avec ce regard incroyable. Hier, ses yeux m'ont semblé presque noirs. Mais maintenant que je les vois de près, je m'aperçois qu'ils sont constitués de plusieurs couleurs. Du gris, du marron, et même quelques taches d'or. Tu veux que je te dise à qui tu ressembles ? Poursuit-il. À Louise Brooks. Tu la connais ? Je fais signe que non. C'était une star du cinéma, muette dans les années 20. Une merveilleuse actrice, américaine. Mais pas blonde. Ma tentative pour faire de l'humour tombe à plat. Il mord un nouveau morceau de son sandwich et une miette de chocolat reste collée au coin de ses lèvres. En Hollande, le blond est monnaie courante. Louise Brooks, elle, était brune. Elle avait un regard incroyablement triste et des traits bien affirmés. Et les mêmes cheveux que toi. C'est fou ce que tu lui ressembles. J'ai envie de t'appeler Louise. Louise ? Oh, j'adore. Il réfléchit un instant avant de poursuivre. Non, pas Louise, Lulu. Lulu, c'était le surnom de Louise Brooks. Et le titre du film de Pabst dans lequel elle est inoubliable. Lulu, la boîte de Pandore. Louis, Lulu, encore mieux. Il me tend la main. Enchantée, Lulu. Moi, je suis Willem. Sa poignée de main est ferme, sa peau chaude. Ravie de faire ta connaissance, Willem. Mais si nous nous prenons une nouvelle identité, je dois t'appeler Sébastien, non ?
Il éclate de rire, ce qui fait naître de petites rides autour de ses yeux. Non, je préfère Willem. Il y a quelque chose d'un peu passif chez Sébastien. Il épouse Olivia, mais c'est sa sœur travestie qui plaît en fait à Olivia. C'est courant chez Shakespeare. Les femmes se lancent à la poursuite de ce qu'elles désirent. Les hommes finissent par se faire pigeonner. Tu crois ? Hier soir, j'étais contente que tout finisse comme bien pour tout le monde. Oh, c'est un joli conte de fées. Shakespeare pouvait bien offrir un happy end aux héros des comédies dans la mesure où il était épouvantablement cruel avec ceux de ses tragédies. Hamlet, Roméo et Juliette, c'est presque du sadisme, non ? Sébastien, ça va, sauf qu'il n'est pas vraiment maître de son destin. C'est à Dieu-là que Shakespeare accorde ce privilège. Et toi, tu es maître de ton destin ? À nouveau, je n'en reviens pas à ce que je dis. Quand j'étais petite, à la patinoire, j'enchaînais en pensée les sauts et les pirouettes. Mais une fois sur la glace, je tenais tout juste sur mes patins. C'est pareil avec les gens. Dans ma tête, je suis audacieuse et franche, mais seules des paroles suaves et polies sortent de ma bouche. Même avec Evan, mon petit ami en première et en terminale, je n'ai jamais été la patineuse virevoltante que je pensais pouvoir être. Et pourtant, aujourd'hui, c'est clair, j'y arrive. Elle y arrive aussi, c'est compliqué pour elle de franchir les pas, mais en même temps, quelque part, elle doit couper les cordons ombilicales avec ses parents, avec sa mère. Parce qu'il faut aussi un peu mentir aussi, parce que sa mère, elle les surveille tous les temps, malgré de très loin même. Somehow, something happens and she... Like she says, she's always suspected she was this skater, but she hasn't been able to do it. And it starts to happen, and then she gets on the train. She agrees. They wind up going to Paris together. He invites her to Paris for one day. And on the train, Allison takes back over, and she starts to have all these doubts, and she becomes convinced that he has left her and has changed his mind because he's disappeared off to the cafe car for 20 minutes, or that he's gone off with these other women, or that he's maybe going to kidnap her like in that movie. And I can't believe how many of you have seen that movie. And so she comes back, Allison comes back, but then at this moment she admits to Willem what happened, that she was convinced that he got off the train or that he was going to abandon her. And with that admission comes the liberation. And after that moment, she really does become Lulu for the day. Alors en fait, il y a quelque chose qui se passe là, justement, à ce moment. Elle savait qui elle était. Et donc, elle est sur ce train parce que Willem l'invite à passer un jour à Paris. Et dans le train, il y a Allison qui revient. C'est de nouveau Allison qui reprend le dessus. Donc, elle a des doutes et il s'est un peu absenté. Il s'absente 20 minutes pour aller boire un café dans le wagon. Et elle pense qu'il la laisse tomber, qu'il est descendu du train. Elle est sûre qu'il a disparu. Ou alors, elle se dit, mais il va me kidnapper comme dans ce film. Donc, et quand il revient, elle lui avoue. Elle lui avoue les doutes qu'elle a eus. Et c'est ce qui va la libérer et va lui permettre de devenir et de rester Lulu. Everything that don't make sense about me makes sense when I'm with you. Like everything that's green, girl, I need you. But it's more than one and one makes two. Put aside the math and the logic of it. You gotta know you're wanting. Cause I wanna wrap you up, wanna kiss your lips. I wanna make you feel wanted. I wanna call you mine, wanna hold your hand forever, never let you forget it. Yeah, I wanna. It's a little off the beaten path neighborhood for a lot of people, but it's the part in the book where Allison randomly points to a metro stop, and the metro stop is Chateau Rouge, and it winds up being this neighborhood which is very interesting and diverse. It's very Middle Eastern and very African, and
and she and Willem walk around and they wind up in this park. And it's very important what happens in this park. A couple of reasons. For one reason, they fall asleep. They take a nap in this park. But before that happens, they have this conversation. And they don't, again, reveal that much about themselves, but certain things get revealed, which is that Willem is alone and that he has to take care of himself, and that Allison is burdened by time, and Willem takes the watch away from her, and Allison jokes that she'll take care of him. And these things seem to be kind of a flirtation, but they're also very important. And then they fall asleep, and then they wake up, and something's happened between them. Allison can really feel it. Before anything happens, they hear a scream from over on the other side of the park over there. You can't see it now, but at that point, they race over, or Willem does it first, and there's a couple of skinheads, and they're hassling a couple of girls in headscarves. And what happens there has some big ramifications for later on in the book. And it motivates Allison to a moment of bravery that's sort of new for herself, and I think is a real game changer for here. So a lot happens in this book, in this little park, this little sliver of a park in a Parisian neighborhood. That's where I have to go to see your beautiful face anymore. I stare at a picture of you and listen to the radio. Hope there's a conversation. We both admit we had it good, but until then it's alienation. I know that much is understood. And realize if you ask me how I'm doing, I would say I'm doing just fine. I would lie and say that you're not on my mind. But I go out and I sit down at a table set for two, and finally I'm forced to face the truth. You. If you ask me how I'm doing,